Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Brotato. On est avec Chobiti. Salut Chobiti. Bonjour Blessing. Bonjour tout le monde. Et du coup, on va essayer de terminer tous les persos sur la zone de crash. Alors, peut-être pas dans ce live parce qu'il y en a quand même une paire, mais on va essayer. Nous avons deux persos de l'ancien qu'on n'a pas fait, le pêcheur et l'économe qu'on n'avait jamais réussi visiblement, et quelques-uns des nouveaux. Il paraît que Chouchou elle est pas assez économe. Oui, c'est le genre de personnage que Chobiti joue, sauf que comme elle n'arrive pas à économiser, forcément ça ne marche pas. Donc, 15 de récolte, 1% de dégâts tous les 25 matériaux que vous avez, et on commence avec une tirelire. Ok, il va falloir maxer tout ça. Chouchou, elle a pris le voyou. Peut voler un objet par boutique. Voler dans la boutique peut faire apparaître un élite. Tous les futurs élites et boss deviennent plus forts lorsque vous tuez un élite ou un boss. Plus 20% prix des objets. Je peux pas verrouiller d'objets. Je me tâte. Est-ce que je pars sur du... support hein, pour maxer ma récolte, ça pourrait être une idée. Hein. Les voyous, ils ont plus des revolvers ou des pistolets? Ça dépend s'ils sont modernes ou pas. Je pense que je vais prendre le loot. Bah, dans ce cas-là, j'ai un pistolet mitrailleur. Ça joue sur la mêlée, la chance. Allez, on va essayer de maxer la récolte. On joue toujours en niveau 1 de danger. Tranquille. Je sais même pas si t'as déjà fait du niveau supérieur à 0, toi. Je crois pas. Je sais que moi je les avais fait, mais... Non, je crois pas. Ah. Ah oui, c'est vrai, je peux presser. Hop. J'ai pas I don't have E sur ma manette. Oui, c'est vrai ça. Pour style l'item. Bah écoute, je sais pas moi. Ce serait ça. Comment tu voles? Bah essaye les boutons, hein. T'as quoi? T'as Y pour cacher, A pour acheter. Il reste quoi comme bouton? Bah il reste B, mais B c'est pour annuler. Il reste X. Fais gaffe si ça m'avait pris de la thune. Bah je sais pas, j'ai pas fait si, gaffe. Si, ça m'a... Je sais pas. Je prends un peu quoi. Ah oui, mais du coup ça me le propose plus. Oui, ça te le propose plus, donc ça doit être ça. Donc ça doit être X. X pour voler. Ah oui, et quand... Ah bah oui, du coup. Vu que je peux pas verrouiller, forcément, c'est le bouton pour verrouiller qui me permet de voler. Ah oui. Et salut Lonmar, tu l'as bien volé. Bah écoute, tu as l'œil. Oh, prise en flagrant délit de volage. J'espère que ça va, Lonmar. On va avoir des élites. Ah oui, du coup, quand tu voles un objet, il y a un élite, c'est ça? Oui. Pour l'instant, ça m'a l'air discret. Elle fait attention à l'argent qu'elle avait pour vérifier l'Odmar, c'est bien. Alors, l'élite, on l'a peut-être massacré dès le début, du coup. Bah... Attends, c'est marqué. Ah, ça peut faire apparaître. C'est pas automatique. Ah oui, ça peut faire apparaître un élite et à chaque fois ils deviennent plus forts. Par contre, ça. Oui, t'as 0% là de. Ça dépend sûrement de la de l'objet que tu voles. Ah oui. Du coup. C'est vrai, ouais, c'est pour verrouiller. Ouais. Ah oui. J'aurais dû penser. Nous, il faut qu'on économise, donc là on est pas mal, on va essayer de masser nos dégâts. Du coup, il faut que je sois intelligente en fait, parce que genre si je vole un truc à 24 pour payer plus derrière, c'est pas intelligent. Faut peut-être mieux que je paye 24 pour voler un truc plus cher. Bah, la logique voudrait que tu voles les trucs les plus chers, mais j'imagine que les trucs les plus chers ont plus de chances de faire apparaître des élites. Pour l'instant, non. Ça vaut le coup.
mystère. Non. Mon dieu, mes luttes sont un petit peu faibles. Ah, c'était marrant hier quand on a fait du lutte, mais on l'a pas fait en live. Ouais. Chocho l'avait bien aimé. Plus lutte, c'est hyper marrant. Hop là. L'ingénierie, c'est nul là. Là, c'est 50% des dégâts en mêlée, ouais. De chance. De l'XP, on prend. Le reste, on prend pas. On pose pas les armes. Bah, sauf si tu prends le pistolet explosif. Hein. J'imagine que tant que je vole des grilles, il n'y a pas grand risque en fait. Bah, le truc c'est que soit c'est sur le prix de l'objet, soit c'est le nombre de fois où tu voles. Bon, cumuler du prix des objets que je vole. Ouais, peut-être. Ah, hyper précis ces tirs, je propose. D'ailleurs, on pourrait peut-être remettre les affichages divers et variés. Oui, peut-être, ouais. Là, on avait les barres de PV, c'est bon. La récolte. Des doués gras. Il n'y a rien qui me tente. Je ne peux pas voler une brique. Ah ouais, tu vois, rien de la brique. C'est 4%. Eh oui, 4%. Là, t'es de passer à 2% quand même sur le bouillant aussi. Là, il y avait 1% avec celui-là. On va mourir. On va mourir, vague 5. Donnez-moi vos matériaux, donnez-moi vos matériaux. Il y a une synergie avec les matériaux? Ah bah bien sûr. C'est le principe de l'économe. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il économise. Ah oui. Et tu fais plus de dégâts quand j'ai des matériaux. Tu disais, est-ce que ça vaut le coup que je les ramasse? Non en fait, du coup c'est plutôt... Faut qu'on continue à les ramasser. Ça va dans ta bourse quand même. Oui, oui, tu peux les ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on achète? C'est pas mal quand on est en corps à corps quand même. Hein. Allez. Oh! C'est pas ouf en PV non plus. Oui, mais c'est vrai que j'avais un bonus de portée avec mon perso hier. Il disait que les luttes ils allaient très loin. Bah oui.
Là, je joue support plutôt que musical, donc du coup, j'ai pris des mains qui sont pas forcément optimales. Enfin, je les fusionne. Une seule, ça suffirait largement. Ouais. Un peu de chance. Du coup, ça, ça et ça. Est-ce que pour avoir le chance vide, bah non, je pense que c'est le pourcentage au moment où tu voles. Hein. Là, il y a 6% pour la prochaine vague. Ah, c'est tentant de le voler en plus. Ah bah t'es un voyou, hein. Récolte là, 84, c'est pas bon. Je peux t'acheter. Bah hé, t'es censé voler, hein. J'aurais pas dû prendre le lapin en fait. Parce que j'ai aucun intérêt de randomiser. Bah en pouvant rien lock, ouais, c'est pas. C'est vrai que je le prends toujours, mais là c'était pas forcément intelligent. Je veux dire par rapport au fait que j'ai pas pu acheter la cyberballe. Oui. Pas très bien mes dégâts. Il y a beaucoup d'ennemis sur la main. Vos régènes, c'est pas trop ça. On a un peu de PV, un peu de chance. Ah, un pont. Allez, je prends un pont. Bon, en fait, si, si, parce que... C'est pas si pire. Quand il y a vraiment rien qui m'intéresse... Oui, bah, de toute façon, c'est le principe du random. C'est hein. Quand même un random. Peut-être aussi que ça. Parle plus fort pour les viewers. T'as pas de barbe. Pourquoi tu parles dans ta barbe? Parce que j'ai un canard perdu, c'est trop cool. Ah, je peux pas. Ah, faut que j'apprenne à compter. Ok. Gros, ils sont gros. Bah oui, en plus tu prends tous les fruits. Ça manque de force de frappe tout ça. Ça picote! Ça picote! Ça picote! Ah! Bouéga à distance ou chouance? Bouéga à distance quand même. Bon, je sais qui veut venir pour ne pas changer. Ah ouais, mais ça fait que 3! Non, bah chance! Le phare, non. Un petit sifflet. Ah, ça serait pas mal d'avoir plus de thunes. Oh, mais non, mais je peux pas voler les menottes, quoi. Je vais pas plafonner mes PV à 28. Pas non plus complètement mobile. Allez, on va prendre ça. Mais on trouve d'autres armes, là. Tiens, ça, c'est pas mal, ça. Allez, on prend ça.
Faut qu'on économise quand même. Ah, oh, ça c'est pas. Ah, je peux pas prendre ça maintenant. Il y a rien qui me tente. Ah oui, ça c'est bien. 35% d'attirer un ennemi. Ouais. Combien de dégâts la main violette là? 5. C'est chaud! Montrez-vous les élites! Je veux voir à quoi vous ressemblez! Ouais, déjà, parce qu'ils sont élites, mais. Sont nombreux en tout cas. Ah non, ça le fait pas, il faut autre chose. Tu m'en as pas? Oh! Pas joueur! Non. On peut toujours rien fusionner là. Allez, un truc, ça c'est pas mal. Voler ça. 49% de chance, ok. Avec un petit 50% de dégâts en plus. Tu veux un pont? Bah écoute, hein, toi qui fais, hein. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on crève. T'as pas envie qu'on crève? Alors, je suis surpris. Non. Voilà un bébé extraterrestre, c'est moins pire. Comme tu le sens. Pour 15 PV, ouais j'en ai pas beaucoup. Hein. Pour 15 PV je... Avec l'esquive, ah j'en ai pas d'esquive. Par du randomisé, c'est trop bon ça. On va garder Mathieu, je vais pas savoir quoi choisir. Je vais pas savoir quoi choisir. Voilà. Les problèmes de riche quoi. Bah je vais prendre le trait. On proposera bien une autre potion bouche un autre jour. On va assez bien le build, je peux pas rester immobile. De mon côté. Un cadeau. Il est mort, bien joué. Récolte. Ouais. Alors.
foire. Un sécateur. Non, c'est nul. Alors au moins il fait des dégâts. Il pique. Bon, bah, je vole un objet à 57% de chance de faire apparaître un UV. Oh, ça a proqué. Il y a eu le petit symbole élite qui est apparu. Ok. Bon, bah, je vais me permettre une randomisation. Hein. On pourrait acheter le lanceur nucléaire. Mais il faudrait que je enlève une autre arme. J'ai boosté autant que je pouvais. Peut-être enlever le petit pistolet médical. Prendre le lanceur nucléaire. Bah c'est toi qui vois, je sais pas ce qu'il fait moi le lanceur nucléaire. Il est lourd et explosif mais... Ou alors... Prends ces deux-là. Non, je vais prendre le lanceur nucléaire. Fais donc. Une grosse corne. Et puis il balance des tirs en plus. On va se prendre pierre vers lui. Tellement de tirs partout. J'essaie de mort. Une seconde. Bien joué. Putain. On prend un peu. Tu prends ce que tu veux. Ah, un tracteur. Le reste, non, par contre. On économise. Ah bah oui. Et tu vois, je pensais qu'il m'aiderait contre l'élite, mais ça a été pas si efficace. Bah il est explosif, donc il est plutôt efficace contre les groupes d'ennemis. Quoi. Ouais, il fait des dégâts. Hein. Incroyable. Je me demande bien à quoi c'est. Accéder à mon jardin. Oui, allez, je prends parce que c'est gratuit. Des dégâts. Vraiment que j'augmente mes dégâts. Les armes elles sont toutes molles. Oh là là, mais donnez-moi des trucs. Non. C'est nul. Ah ouais. 95% de chance d'avoir un élite.
Voilà, on aura un élu. Bah, je peux rien faire. Donc. Randomiser un peu plus, du coup. Ok, virer ça, on va prendre la flûte. Dommage. Ça. Je peux prendre le pistolet mitrailleur, mais je peux pas prendre le pistolet 4. Ah bah, faut choisir. Je mets... Ouais, 17. 17, ça me permettra jamais de faire 244. Non. Si tu recycles tes deux bleus, bon, c'est clair. Prochaine fois. Même avis. Rien, celui-là, il se balade pas. Fais des yeufs. Ah oui, des yeufs. Là, il a mutationné. Tire concentré, là, il fait mal. Hein. Ah, il relâche des tentacules dans ses os, sérieux. Ah, la violence. Oh. Je suis mort. 10 secondes. Oh, je suis mort aussi. Ah ouais, non, mais il faut... Ok, bah, si tu veux reprendre ce perso, je veux prendre quelqu'un qui fait... Non, je me suis bourré. Il fait un peu plus de DPS, parce que là, c'est pas possible. Quelqu'un qui scale, là. Peut-être reprendre le boucanier, il marchait bien. Oh la mitouilleur. Oh, t'as un joli chapeau comme moi. Alors le boucanier, tous les matériaux qu'il ramasse valent 100 de plus. Et par contre, il attaque très très lentement, mais dès qu'il ramasse des matériaux, ça recharge ses armes. Oui, c'est ça. C'est celui-là, faut que je te laisse ramasser les matériaux. C'est ça, de préférence. Et du coup, il va falloir qu'on loue à fond sur des armes lentes, mais qui font des gros dégâts. Des nouveaux pistolets. Je voudrais les essayer. Par exemple, je galère à tuer des foutues armes parce que je tire pas. Mais je t'avais laissé plein de... Oui. Oh, faut que je compte! C'est horrible. J'en oublie de compter, quoi. Pas grave, Chouchou, t'auras bien une autre arme à un autre moment. Oui. C'est certain. La perforation, c'est bien ça. Bah oui, quand tu tires à distance, oui. Un de ton pistolet laser. Il perfore deux cibles, mais il fait moins 25% de dégâts. Donc si je prends ça... Ah oui. Ouais.
un peu plus de portée. Ah bah oui, quand tu tires. Bah après, ça va se caler, les armes à feu, elles rajoutent de la portée, mais... Voilà, là on devrait faire du dégât là. Faut qu'il les ramasse le matériau. C'est pas moi qui les ramasse les matériaux. Les fantômes. Non, une récolte plutôt. Allez, commencez à compter un peu les dégâts là. Ouais, je t'achète. Super force. Je peux prendre demi pour voler un truc. Voilà, ça c'est pas. Je peux pas le voler. Il faut que je combine des trucs. Arnaque. Arnaque carrément quoi. T'as pris un fantôme? Oui. Il y a un petit peu de régène, ça. Je suis disant, on va venir le début. J'ai plus de matériaux à ramasser, on la sent là, la douleur. Je sais pas. Oui, mais ça te suit. Oh, fantôme bizarre. Pas du tout, les. La portée d'attraction, c'est un must. Si tu veux. Hein. Ouais. Les gars, en milieu, je m'en fous un peu, mais. Quête de régène, quête de. Je prends. Je fais gagner les micros. Ils viennent nombreux, ces cocos! Mais je nettoie, hein. Mais non, tu génères des matériaux. Et qu'ils arrivent presque à m'attendre? Après, tu leur as mis 25% de vitesse pour cette vague. Hein, donc. Ça arrive plus vite sur toi, fatalement. C'est donc toi. En vrai, là, je suis sûr. Oula. Oui. Ah, je peux pas l'insulter parce que je suis.
pouvoir voler une potion. Moins 2 de régène de PV. Ouais, ça, je... Oh, un sifflet. Très bien le sifflet. J'en ai un aussi en plus donc. Au moins de chance. J'y tiens ma chance. Ça c'est une constante. J'y tiens ma chance. Allez les ennemis, vous êtes où? Ah, je manque de portée, hein. Je peux pas atteindre les gros quand ils sont de l'autre côté de la map. Hein. Ah bah, faut en prendre à la porte si t'en veux. Hein. On va pas sortir de nulle part, ça c'est sûr. Ouais, mais mon lance roquette a une bonne capacité d'arrêt quand même. Le lance-roquette, c'est pas aussi brutal que l'oblitérateur, mais un lance-roquette avec une cadence de tir de pistolet mitrailleur, c'est quand même pas dégueu. Alors, y a rien que je peux fusionner, là. Ah. Je peux fusionner ça, et du coup, je peux prendre ça. Voilà, on va prendre un petit peu de vitesse, même si on sacrifie là. Et ça, je vais le prendre. Alors, c'est dommage pour les dégâts en mêlée, mais le 10 de vitesse quand on subit des dégâts, c'est-à-dire que si jamais j'ai plus de matériaux et que je peux pas tirer, je me fais toucher, bah, je pourrais rusher. Je pourrais rusher. On va essayer d'en choper. Bon, ça... Très bien. Oh vague. C'est pas... Mais non. T'as pas peur. T'es un voyou. Quand t'as peur. Vite te venir dessus, ouais, c'est tout. Un pistolet mitrailleur. De quoi j'ai peur? De rien. Bah non. Un peu de comme ça. Et combien? Oh, j'ai quand même 50 en portée, c'est pas mal. Bah, c'est les 50 données par tes armes à feu, quoi. Ouais, je vais prendre. Je veux l'acheter, le tromblon. Alors, lance-roquette plus plus. Il faudrait que je me débarrasse d'un truc de... Oh, un petit pistolet. Allez, oh, ça sert à quoi. Coup. Bébé Gecko, c'est parfait. Ok. Gâteau. Bébé Calamar, must have tout de suite là. Enfin, sauf si tu joues pas la régène. Moi, pour la régène, j'en ai 7. Ah ouais. Oui, je vois, désolé, je réfléchis, je suis un peu nul. T'es pas nul, personne dit que t'étais nul. Non, mais je parle pas fort du coup. Le problème, c'est que je réfléchis, alors il faut que mon cerveau. Il... Ok, bon, salut. J'ai eu mon pistolet laser, mais du coup, c'est sûr que je vais virer celui-là. Ok, j'aurai le prochain coup. Ah, je ressemble plus à rien. T'as ton petit fibé sous le calamar là. Sur la bouche.
essayer de nettoyer un peu. Bah, on dirait pas, moi. Allez, crevez. C'est dur parce que quand je bouge, je pique des matériaux. Oui, moi c'est pas très grave. Et d'armure. Oh, mais tout est nul. Mais ça, si je tombe sur les cendres, ça pourra toujours aider. Alors, là, on va prendre ça, ça. Oh, on aura un élite. Ok, bon à savoir. Des trucs bien du coup. Si tu veux, fais pas sourire, qu'est-ce que je te dise, moi. Ouais, mais un élite avec plus 10% de santé, ça va piquer quand même. Bah, on a plus de DPS que tout à l'heure, hein, là. Je pense que l'élite, il va assez vite dégager. Oh, c'est infecté avec putain de plein de dieux, qu'est-ce que c'est que ce cellule ? Au secours ! Ma santé ! GG. Voilà. Maintenant, tous les futurs élites, ils seront plus forts. Parfait. Ah. D'accord, le mur. On n'est plus à ça près. C'est pas marrant, ça me fait rigoler. C'est pas marrant, ça te fait rigoler. Non, c'est le fait de faire rigoler qui te fait tousser qui est pas marrant. Oui. Oh. Oui. Bah oui, t'as ramassé le coffre. Bah oui, non mais c'est exactement ce qu'il me faut. Ramasser instantanément tous les matériaux pour moi, c'est bah, le oui. Stuff, quoi. Bah oui. Parce que t'as pris le coffre du boss. Maintenant, il faut tuer suffisamment vite. Oh, une déchiqueteuse maudite. Ah, elle est grise. La peau. Bon, bah, il y aura un élite. On peut pas l'acheter. Allez. Yannak. On peut pas l'acheter. Ok, il va falloir que je vire ça pour prendre celle-là. Arnaque. Voilà, tromblon, non. Le livre étrange, non. Ah bah. Elle tombe maintenant, elle. Voilà. Virer ça. Donc maintenant, il faut que j'améliore cette déchiqueteuse absolument. Ça veut pas, hein. Pour pas prendre ça, ça a un peu de portée. Et on est parti. En fait, j'adore parce que je suis censé. C'est le même. Non, c'est pas le même. Si c'est le même, si c'est le même. Faut que tu encore plus vite. T'as volé quoi pour avoir ça? Bravo. Non mais je te vais le dire tout à l'heure. Oui. Je crois que j'ai volé une arme, mais je suis pas sûr. Trop très très grave. Ah ouais, là avec le l'apport constant en matériaux, c'est une tuerie quoi.
c'est toi qui as eu la relique du... pour aller les chercher. Depuis la sagesse. Ah. Non, je crois. Ou l'alliage. Une main ensanglantée. Allez, on prend. L'extraterrestre nous prendra, mais c'est tout. J'ai volé. Il y aura un élite. T'as volé, il y aura un élite. Vilain voyou, vilain. J'ai volé. Ouais, c'est la potion, j'ai volé. Bon bah, un autre bébé calamar, tiens. Bravo Chobiti, un trait rouge de plus pour le signe. En même temps, c'est moi qui l'ai tué, donc. Tu la prends pas? Ah si. Mais moins 3 d'X. Oui, t'as raison, allez. Mais j'ai déjà plein d'objets alors que c'est censé être plus cher chez moi. Par cette élite, oui. Il résiste un peu mieux là. Ose me dire que tu voles pas à chaque fois et qu'on n'en aura pas d'autres des élites. Je vole à chaque fois, bien sûr, parce que ça coûte 20% de plus que le prix normal, les autres. Oh là là, pauvre foufounette. T'as 700 balles, tu es très pauvre. Oh oui! Excellent! C'est vrai que j'ai un peu de critique. Oh allez, come on! J'ai rien combiné. Ah, ça c'est 9% d'analyse, tu peux jouer. Je peux pas voler un truc qui vaut rien. Ah si, justement, ça peut être une strat. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. Tu veux collaborer? Est-ce que tu veux vraiment collaborer, nous rejoindre sur Brotato ou c'était un misclic? Mais voilà, tu vois, je vais voler l'anneau du justicier. Hein, tu voles ce que tu veux. Alors attends, parce que du coup, ça planque, ça cache tout là. Xebus qui nous dit bonjour, salut Xebus. On a Lach Danan qui est la première fois dans le chat. Salut Lach Danan. Salut. Putain, foutu chat qui fait de la merde. Bon, faut que je le mette en plus grand parce qu'avec cette pop-up à la con là, on voit que dalle. Hein. T'as juste cliqué. Ok, du coup, je refuse. Voilà. Je vois un peu ce qui se dit dans le chat parce que ça prend tout le chat cette pop-up. Et donc. Salut Cléoline. Cléoline. Ah mais quel enfer ce truc Twitch, putain. Il met des pop-up de partout. Mais oui, j'ai refusé la demande. T'as le truc de collaboration qui prend toute la taille de la fête du chat et quand tu refuses, t'as une pop-up qui te dit vous avez refusé, qui prend toute la taille du chat. C'est super bien conçu. J'espère que ça s'est bien passé le live Xebus. C'était sur du Battle Brother, j'ai vu que tu t'y remettais.
N'hésitez pas à aller suivre Xebus si vous aimez les jeux un petit peu tricky. D'ailleurs, c'est lui qui nous a initié à Brotato. Alors, j'ai cliqué. J'ai volé. T'as volé, du coup, il y a un élite. Mmh. Ah. Il a vu. J'ai volé. L'Odmar, il voit tout. Ouais. Ah. Surveille tes bêtises. C'est toi qui l'as eu cette fois. What? Ça s'équilibre alors que c'est moi qui l'ai ramassé. Bah ça fait 3 fois que t'en prends hein. Ça fait 3 fois que tu voles hein, est-ce que je vole moi? Non, ça fait 14 fois que je vole. Est-ce que je vole moi? Tu voles pas, mais voilà. Non, mais... Alors j'ai le droit d'avoir des objets bonus parce que je vole pas, s'il te plaît. Le live s'est très bien passé, tu es circonspect des mois sans jouer, tu relances en difficulté max, et tout se passe très bien. Est-ce que c'est le challenge Lonamino ou pas du tout? Oh oui. Bonjour. Le test d'attaque me permet. Run random. Bah écoute, t'as quand même un petit peu de compétence sur le jeu, Xebus. Il est possible que ça vienne de là. Et bon app, merci beaucoup pour le raid. A plouche. Oh, une carte au trésor en double. Bah ouais, carrément. Ça vient de voir. Est-ce que je peux avoir une foutue déchiqueteuse, s'il te plaît, jeu? Non, t'as le droit à un élite. Je suis joie. D'apprendre ce genre de nouvelles. Ah, il m'a filé une déchiqueteuse maudite, mais alors depuis, il veut plus rien me donner, quoi. Bah, moi, il veut pas m'améliorer mes armes. Ça va devenir problématique à un moment. Ah, c'est celui qui fait les deux. Ouais. Tu nous as eu la dernière fois. On ne laissera pas faire cette fois. Avec tous ces épées. Hein. Meurs. Voilà. Où sont les ennemis? Où sont les ennemis? Je veux des sous. Oh, mais tous les sous ils veulent vers toi alors. Je l'en pas. On en tue plus, ça fait plus de sous. Pas bien ça. Ça aussi, les dégâts en mêlée, non, ça c'est nul contre. De l'armure, allez, je prends. Un petit peu d'esquive, pourquoi pas. Boué boué extraterrestre. Oh, c'est pas si mal ça. Est-ce que je volerai pas les menottes? Ah bah là, vous avez déjà une bonne valeur de PV, ouais. Je vais prendre d'abord le bébé extraterrestre et ensuite je voudrais 15 PV de plus. Et on aura un élite. Ça sert plus à rien du coup. Vague 16, anneau de justicier, c'est trop cher. Putain, mais il faut que j'améliore ce foutu truc là, c'est ouf. Hein. Même grise, elle est déjà plus efficace que la bleue, quoi. Non, il me donne que des objets où je peux gagner des PV, quoi. Alors que je viens de les caper. Eh oui. Bon, j'avoue, ça, c'est pas mal. Bah oui.
C'est quand même toujours ça de prix. Je veux du mieux. Non, faut que tu recycles le bleu. Mais y'arnaque ! On se prend pas un deuxième... Enfin, un deuxième... Bah, deuxième. Surtout que t'es capé, donc non. Donc y'a un élite. Bah tu te démerdes avec lui. Allez, encore 35 secondes. Et salut Sikinos, bienvenue sur le live. Allez, 20 secondes encore. Non, non, c'est moi qui suis mort, Zikino. Et Shobiti s'en remet pas. Non, mais... mais oui, non, non, c'est bien ça, le truc. C'est... Le boss, il a popé. One shot. C'est pas le boss qui m'a one shot. J'ai pris un fantôme bizarre et j'avais oublié que j'avais la main qui enlève un dégât par seconde. C'est pire. Ah non, le boss il y est pour que dalle. Je pensais parce que tu m'as dit ah, il y a un boss. Non, j'avais pris le fantôme bizarre et du coup j'ai commencé à 1 PV. Comme j'avais la main ensanglantée qui fait un dégât par seconde et que j'ai pas de régène, j'ai que du vol de vie, bah j'ai pas eu le temps de tirer pour tuer quelqu'un. Et donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, je suis mort direct. Et du coup c'était Chocho qui était explosé de rire. Et oui, c'était Chocho qui rigolait, ouais. C'était... Oh, est-ce que je vole le blé? Du coup, bizarrement, j'ai pas gagné beaucoup de sous sur cette run. Est-ce que je vole le blé? Oui. On aura un élite, hein. Très bien. J'ai pas pris de fantôme bizarre cette fois. Ah ouais. Ah non, j'ai pas la thune. Ah bah c'est ça de randomiser, hein. Vous remarquerez qu'elle a quand même réussi à survivre en étant morte de rire, hein. Pendant toute la vague, hein. En 60 secondes à s'étouffer avec juste la main sur le joystick. C'est celui qu'on vient d'avoir. Ah non, mais j'étais morte de rire. Cette fois, on va le tuer, cette fois. Mais... Oui, et puis j'étais tellement morte de rire que je l'ai même pas regardé, en fait. J'ai juste fui. Il t'en veut, en tout cas. Oui. Et je reviens. Bon, je vais le tuer, pas de soucis. Pas de soucis, hein, je le nettoie, hein. Ouais, on a deux bombes huiles, là, je pense. Sauf quand il y a des erreurs tactiques. Bah après oui, on peut perdre un run sur une erreur tactique, ça c'est sûr. C'est pareil, là, sur des cartes comme ça où les ennemis sont plus solides et moins nombreux, c'est plus difficile pour mon perso parce que du coup s'il n'y a pas de matériaux... Allez, j'arrête de bouger. Oh, bon, tu peux bouger si tu veux. Hein. Mais non, j'ai pris un truc qui me donne des bonus quand je suis immobile. Ah, tu l'as prise la statue? Je crois que tu l'avais recyclée. Les armes ont un temps de recharge minimum. Alors ça, est-ce que ça va marcher avec moi? Je l'ai déjà, la concentration. Bah, je vais tenter. On va prendre ça. Mais je vais quand même la reprendre. Un peu de portée et du vol de vie. Très bien. Oui, ouais.
Allez, mais tu veux toujours pas... Oui, la déchiqueteuse, enfin. Merci. Bébé calamar, non, un petit arbre par contre, c'est pas dégueu un petit arbre. Oh, c'est un rifter, ça. Le calamar? Bah oui, maintenant c'est un peu tard, on a déjà deux en plus, non? Oui, oui. Oui, donc, pas besoin d'en reprendre. Non, mais on va pas enlever des ennemis. Non, je peux pas le prendre. Non. Yannak! Yannak! Est-ce que j'enlèverais ça pour mettre un blond? Tu perds ton vol de vie si tu fais ça. Après, je sais pas ce que t'as comme sustain, mais si c'est pas ça qui te sustain... Bon, c'est bon. Les deux vont monter, tranquillement. Je vire un pistolet. Je vire un pistolet, je vais prendre un tromblon. Non, on a dit le tromblon, c'est nul, parce que c'est en fonction des matériaux. Ah oui, c'est vrai. Exact. Le canon de verre. Ah, tu l'as volé. On aura un élite. Regardez-moi cette richou là. Non seulement elle est riche, mais en plus elle vole. Ça fait deux fois que je prends une concentration, ça me l'a laissé un peu comme. Bon bah du coup c'est validé, hein. Le boulet et chaîne, il m'empêche pas de réinitialiser mon attaque. Ah, c'est cool. Du coup c'est effectivement très fort. Bah oui, une petite balle lourde. Ah, parfait, le lance-roquette. La balle tranchante, bah voilà. Ça commence à déconner un peu. Un pistolet maudit. Ah ouais. Il y aura un élite. Un fantôme bizarre. Je te laisse avec l'élite. Peut-être pas randomisé. Ah, un autre lance-roquette, c'est tentant. On verra. Oh ouais, de la vitesse de tech. J'en ai compris. Je peux pas le prendre. Non. La lunette de visée, c'est un objet bien pour moi, mec. Carrément de la portée du dégât à distance, c'est excellent. Nous voilà! Bah décidément, il nous remet les mêmes en boucle. Il n'y a pas 36 des élites après. Hein. Oui, mais on aurait pu avoir une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, alors que là on a eu deux fois l'un, deux fois l'autre. Ah, c'est encore fait quel coffre. Scandale, moi qui fais tout le boulot. Arrête de bouger alors. Mais d'ailleurs, ah si, notre micro, il bouge. Je disais, il bouge pas quand on fait moins moins. Les gens nous entendent quand même.
nous entendre faire ouin ouin. Bah pas trop en fait, j'ai l'impression. Réduction de bruit considère que ouin ouin, c'est pas quelque chose qui vaille le coup d'être transcrit. Quelle de caisse, que tu pouines. Une perle. Oh ouais. C'est bon ça. Dommage pour la portée, mais... Ouais, mais c'est pas grave, je vais la compenser, c'est pas un souci ça. J'arrive pas... Oh, la balle lourde. Bah oui, on prend la lunette de visée, ce truc-là. Non. Bah oui. Allez, on se tente la vague 20. Ah putain, j'ai volé alors que c'est la vague 20. Bah oui, bien sûr. Ça a volé 20 fois. Oui, mais je veux dire, du coup, on aura le boss et un élite. Bah bien sûr qu'on aura le boss et un élite, tu t'attendais à quoi? Je suis un peu... Attends, je vais utiliser ma thune, du coup. Oui, ça serait bien. L'armure. La vague 2, avec 20, avec 2 boss, exactement, Lonmar. Attends, je peux peut-être faire quelque chose avec ces trucs-là. Oui, tu as un pistolet mitrailleur, tu peux. Oh, les gros, je peux que l'acheter. Et l'autre, je peux pas. La folie. Oh, de dégâts. Oh, je vous critique. Confiance. Pas vague 20. Pas vague 20, non. Un jardin, oui. De l'armure, oui. Prêt? Oui. Allez, en avant. Oh, regarde comme ils sont mignons. Bah, du coup, on a un nouvel élite, pour l'occasion. C'est ma vie, les gars. Je suis mort. Je crois que je me suis coupé sur ton perso. 73 secondes. Elite est bientôt mort. Allez, un élite de moins. Un bon sustain quand même. Ouais, tu vas, ça va passer. 40 secondes. Allez, tue-le avant que la vague se termine. Ah, parfait. Parfait, parfait, bien joué. Le voyou, il nous débloque un lance-grenade. Oh ouais. Les projectiles explosent au contact et 6 de recharge tous les deux coups. Waouh. Il est lourd et explosif, le lance-roquette. Et il a un rebond. Très bien ça. Eh ben écoute, magnifique. On va arrêter l'épisode de VOD là. Oui. Juste, non, tu veux pas arrêter? Ben on arrête quand même. J'espère que l'épisode vous a plu, on va continuer en live bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Bye bye tout le monde.